salade. Tu sers quelque chose? Non, rien, j'attends quelqu'un. Je vous prendrai un whisky. Vous êtes? La personne que vous attendiez. Vous avez des informations? Il a récidivé. Les récidivistes, ça me connaît. Vous pouvez l'en empêcher? Avec ce que je vais lui faire, il n'est pas prêt de recommencer. Tout l'argent est dedans. Oui, tout y est. Très bien. Et votre verre? Il est pour vous. Alors, qu'avons-nous là aujourd'hui? Ah, commissaire, vous voilà. En effet, Antoine, en effet. Un témoin l'a retrouvé ici, un couteau planté dans le cou. Mm-hmm. On a retrouvé des traces de lutte sur lui. Je vois, Antoine, je vois. Vous voyez? Il s'agit d'un homme que je suivais déjà depuis un moment. Un certain Henri. Mais commissaire, pourquoi cela? Plusieurs signalements avaient attiré mon attention. Accompagné d'un ange. Vous êtes formidable. Vous croyez que j'ai les toilettes, Laura? Tout bon ou tout mauvais? Vous croyez? Il n'en était pas à sa première fois lorsque cela s'est produit. Et que l'ombre se... Laissez-moi! Mais où est l'ombre? Laura, à l'aide! Où est la lumière? Où est la frontière du mal? Ah! Savez-vous, Laura! Que vous êtes de la littérature. Laura, appelez la police! Vous êtes brûlé. Vous voyez, l'expérience est concluante. Tenez, je vous aime bien. Mais c'est affreux. C'est peu dire, Antoine. C'est peu dire. Mais qu'avait-il fait pour mériter ça? Ne soyez pas pressé. Écoutez la suite. Vous vous doutez de pourquoi nous en sommes arrivés là? Qu'est-ce que vous voulez? Vous pouvez plus continuer ainsi, hein? Mais j'ai rien fait, je suis innocent! Et attendez, c'était vous depuis le début? Vous jouez pas à l'idiot avec moi, hein? Je vous assure, je comprends rien à la situation. Il doit y avoir erreur sur la personne. La seule personne qui a commis une erreur ici, c'est vous. Je... Ne vous avisez plus jamais de recommencer. Mais vous avez tué cet homme? Antoine, vous avez tant à apprendre. Évidemment que j'ai pas tué cet homme. Mais alors qui? Patience. Et pourquoi? Après l'avoir relâché suite à l'avertissement que je lui ai prodigué, j'ai décidé de continuer à le suivre avec attention. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque je vis qu'il récidivait en toute impunité. Récidivait? Le téléphone, Antoine. Le téléphone. Dans ce cas, je ne vois plus qu'une solution. Eh oui, mon cher Antoine, il n'existe pas plus grand crime que d'utiliser son téléphone devant un film. Notre chère victime en aura payé le prix.